Niao, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver sur Wolong Fallen Dynasty. On prend quelques instants pour admirer la vue du hub, nous sommes à un point culminant, tout en haut. Ouais, franchement c'est plutôt beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce hub? Dans ce hub, pour l'instant, on n'a pas encore tout débloqué. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est que on peut améliorer nos armes, on peut modifier les caractéristiques de nos armures. Et il y a un accès ici qui n'est pas encore débloqué. Tu vois, il y a une dame là qui est toute seule. Et je peux pas encore lui rendre visite. On peut aussi maintenant, une fois qu'on aura vaincu, mais je l'ai déjà vaincu, je vais refaire le stage. Puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu brouillon. Et j'aime bien quand c'est parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à trouver le dernier drapeau. Et je l'ai trouvé. Donc, en fait, le stage est très très brouillon, tu vas le voir. En fait, les ennemis sont dans des niveaux. C'est pas en fait, ils sont pas regroupés par niveau. Ils sont un peu. En fait, il y a un niveau 0, et puis après, il y a un niveau 4, après, il y a un niveau 10. Et du coup, on est obligé de faire des allers-retours, tu vois. Alors, ici, on peut améliorer nos armes. Donc, là, tu vois, par exemple, je peux améliorer mes double épées. C'est les armes d'ailleurs avec lesquelles je joue. Et on peut intégrer, donc en fait, on peut. Par exemple, modifier une caractéristique. Alors, je vais pas le faire sur celle-là. On va faire sur cette arme pour te montrer. Et en fait, tu vois, je peux donc supprimer une caractéristique et je peux en ajouter une. Bon, forcément, ça a un coût. Mais tu peux choisir sur un gros, gros panel, en fait, de caractéristiques. Et c'est, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Tu peux également modifier, en fait, les caractéristiques sur tes armures. Tu peux également modifier le skin de tes armes et de tes armures. Alors c'est vrai que ça m'a été demandé dans les commentaires. Et tu peux en fait daze tes armes pour pouvoir récupérer justement des composants. Et ensuite tu peux vendre. Voilà. Donc maintenant, on est reparti pour la mission. Donc on va faire la mission principale. Voyager. Et on est parti pour à la recherche du sorcier immortel. Alors comme je disais précédemment, le stage est très très brouillon, mais tu vas comprendre pourquoi. Je l'ai refait, pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois ici, il est level 0, mais si tu avances un tout petit peu, le prochain mob, il est déjà level 10. Donc l'objectif, en fait, c'est droit devant, mais tu peux également passer par là. Et en fait, le tigre est déjà level 10. Bon, je sais plus s'il est level 10, ouais, voilà, c'est ça. Donc l'objectif, en fait, c'est de passer tout droit. Bon, déjà, si je me fais toucher, ça va pas le faire. Ah, eh bien, je commence déjà très très mal. Allez, je me soigne. Je suis pas encore réveillé. Pour ça. C'est samedi matin. Allez, toi, t'es morte. Bah, c'est vrai qu'en fait le week-end je prends beaucoup plus le temps et du coup je suis pas forcément réveillé. Ok, donc ici ça va, level 0, c'est clair. Ah ça y est, je l'ai aggro. En fait il y a un drapeau à récupérer juste ici. Et en fait j'ai cherché pendant longtemps où était le dernier drapeau et en fait il est là. On reviendra ici un peu plus tard certainement pour pouvoir en fait affronter les deux tirs. Je veux juste tuer elle. Voilà, parfait. Ça va me permettre en fait de monter mon niveau de bravoure. Allez, viens là toi. Ici, porc épique. Ok. J'ai pas réussi à parer. Je te conseille de progresser et voire même de réinitialiser la zone, comme ça au moins ça sera fait, voilà. Je vais monter d'ailleurs mon niveau. Ça m'évitera de perdre des points dans le cas où je meurs. Voilà, la zone est réinitialisée, on peut... Alors t'es pas obligé de l'affronter les level 4, franchement au début c'est assez chaud. Vaut mieux, tu vois, s'attaquer par exemple à lui qui est level 2. Ah oui, c'est vrai qu'ils explosent.
Je n'ai plus de batterie. Alors ça, c'est les aléas de l'enregistrement. Quand tu n'es pas prêt. Ça arrive. Oh là là, j'ai appuyé sur rond. Qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à esquiver aujourd'hui. Ni apparaître. Comme ça au moins. Je vais mourir. Voilà, c'est bon. Et bien évidemment, il explose. J'ai déjà utilisé deux popos. Bon, je réinitialise la zone. Ça m'évitera de mourir. Ok, on est niveau 3. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, je te dis, ce stage est assez compliqué. Il n'est pas forcément évident. Voilà, parfait. Donc ici, il y a un singe qui va pop. Il est level 5. Tu peux utiliser ton invocation, c'est pas obligatoire. Mais je préfère le faire. Puisqu'en fait, ce matin, je suis pas réveillé. Ok. Un coffre ici, parfait. Il n'y a rien d'autre dans cette zone. Donc, pour te montrer, ici, il y a un autre tigre. Et il y a justement un drapeau à lever. Il est level 6. On peut y aller maintenant. Je crois qu'il est level 6. Mais ce que je te conseille de faire, en fait, c'est de descendre déjà. Puisque les mobs sont beaucoup plus simples en bas. Et on ira en fait affronter par la suite le tigre. Là aussi il y a un tigre. Ok, on est passé level 5, ça commence à être pas mal. Ça va nous permettre en fait d'affronter... Ah oui, c'est vrai, il le fait deux fois. Allez, top. J'utilise une popo. Et là, il y a un drapeau. Au moins, ça permet de save, en fait, le niveau de bravoure à 4. Ok, on tue le porc épique, comme ça c'est fait. Il me semble qu'il est... Il est costaud, lui. Ouais, il est 5. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tuer déjà le porc épique. Enfin, les porcs épiques. J'appuie sur ta manière. Ok. Bon, ben, du moins. Non, plus de porc épique. Voilà, parfait. Et là, on save le niveau 6 normalement. 7 même. Non, je te dis, en fait, ce stage est assez bruyant puisque, en fait, les ennemis sont pas du tout positionnés au même endroit. Alors ici, il y a un autre tigre. Je te conseille, en fait, d'utiliser ton arc.
plus de flèches. Oh, je me suis pris un coup. Heureusement qu'il y a le PNJ pour tanker. Voilà, parfait. On est niveau 7, c'est parfait. Il y a deux porcs épiques ici, me semble-t-il. Voilà, parfait. Alors, il y a un drapeau à lever tout en haut. Et ici, les ennemis, me semble-t-il, sont 7. 8. Ah là 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 là. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Voilà, parfait. On est bientôt 8 en bravoure. Il y en a d'autres ici. Allez, 10. Après, ces ennemis sont pas forcément difficiles, donc normalement ça devrait le faire. Parfait. Oui, la deuxième. J'en avais aggro une deuxième, non? Voilà, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le drapeau. Ah oui, il y a un loot ici à récupérer. Donc ici, il y a un drapeau. Et il y en a un autre là. J'ai dû oublier un drapeau, puisqu'il y en a deux qui sont en haut, dans la dernière zone du stage. Alors en fait, un peu plus haut, il y a un mini-boss qui ressemble à un crocodile. D'ailleurs, il ressemble à Darren dans Ant-Man. En fait, si t'as vu le dernier Ant-Man, en fait, il a une grosse tête et un tout petit corps. C'est assez drôle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tuer les tigres, comme ça je vais récupérer un peu plus de bravoure, parce qu'en fait, le crocodile... Il est level 14 et ça serait bien en fait d'avoir un petit peu plus de peps là pour pouvoir le tuer parce que il tape fort. Alors il faut les trouver maintenant. Je fais pas de cut comme ça au moins ça te permet de te repérer. Voilà, il y en a un qui est là. Donc il faut faire attention parce que les tigres sont très très costauds. Je me heal. Allez, viens m'attaquer. J'aime pas quand il fait cette attaque parce qu'en fait il s'arrête jamais. Et pour le parer, c'est hyper dur. Sa jauge d'esprit vient au vide. C'est bon, merci. Critique. Ciao ciao. Allez, on récupère le loot qui est ici. À
Alors, je pense qu'on a clean la zone, c'est parfait. Il nous manque toujours un drapeau. Je ne sais plus où il est. Allez, on se le fait. Comme ça, ça va nous permettre de monter de 1 niveau en bravoure. On devrait passer level 11. Alors si tu galères, n'hésite surtout pas à mettre le sort de heal, c'est très très important. Moi ça te permet de garder tes popos dans le cas où t'es vraiment en galère. Sauf que les tigres c'est les pires ennemis simples, à part les boss. Ce drapeau c'est ok. Je ne sais vraiment plus où est en fait le dernier drapeau qui me manque. Ciao ciao. Allez, on est passé 11 en bravoure, ça c'est top. Le porc épique. Il y a un loot ici. Gênant. Aïe 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 aïe, en fait le drapeau est juste là, je l'ai pas vu, c'est la voix off qui parle, mais on reviendra, donc n'hésite pas à le récupérer, le drapeau est juste là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller tuer le crocodile. Le crocodile d'arène. Alors lui, tu peux lui donner des objets, mais pour l'instant, j'ai rien eu de très intéressant. Donc ici, en fait, tout droit, il y a le crocodile. Je te conseille de passer par là. En fait, on va le surprendre. Mais ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais récupérer le drapeau. Donc là, il y en a un, mais il faut d'abord tuer le crocodile qui est droit devant. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur le côté, tu vas voir. Déjà, on va tuer le porc épic. Parce qu'il faut savoir que le crocodile est level 14. Et en fait, le drapeau est droit devant. Voilà, parfait. Donc là, on valide le niveau de bravoure 11. Donc là, j'ai réveillé le crocodile, c'est pas grave. Le PNJ va le tuer. Je vais récupérer d'abord les loots. C'est très important de récupérer les loots, puisque ça permet de récupérer des popos, des matériaux pour pouvoir améliorer les armes. Allez, on va le tabasser. Tu vois, il a une grosse tête et un petit corps. C'est crocodile d'arène. Allez, coup critique. Ciao. Et il nous manque un drapeau. Il y a un loot ici, un coffre. On y va. Parfait. Des flèches. Ça tombe bien, j'en avais plus. Et le dernier loot ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le dernier drapeau. Allez, ça y est, j'ai trouvé le dernier drapeau. Je te montre le chemin.
fait, il est au tout début de la zone. Mais en fait, dans ce niveau, en fait, il faut vraiment faire les ennemis dans un ordre précis. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu compliqué là de se repérer. Et du coup, j'ai raté le dernier drapeau. Enfin bref. Donc ici, c'est là où on affronte le gorille ou le singe, c'est comme tu veux. Et là, il y a deux porcs épiques et le drapeau est là. Qu'ils explosent. C'est un peu des kamikazes. C'est porc épic kamikazes. Allez, on passe level 15, c'est parfait pour le boss. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui est très important dans le jeu, c'est de récupérer tous les drapeaux, puisque si tu meurs, au moins ça te permet de revenir au niveau de bravoure du boss. Et franchement, c'est beaucoup plus appréciable si tu meurs, puisque les boss sont quand même assez coriaces. D'ailleurs, si t'as du mal à passer ce boss, puisqu'il est assez difficile, alors avec un seul PNJ, j'ai un peu galéré, j'ai mis une heure pour le passer. Mais ce que tu peux faire, et on va le faire là pour cette vidéo, c'est qu'on va appeler un deuxième renfort. J'ai appris hier soir qu'on pouvait le faire, et on va tester ensemble. Donc tu vas dans renfort. En fait, vu que tu vas invoquer en fait un deuxième PNJ, ça va te demander un saut du tigre. C'est comme si en fait tu faisais appel à deux coéquipiers. C'est pareil, ça te demande en fait un saut du tigre. Alors je sais pas comment on fait pour améliorer le niveau de serment de chaque personnage. Alors peut-être que ça se fait de manière automatiquement. D'ailleurs, si t'as l'info, je suis preneur. Peut-être qu'en fait il faut juste jouer avec les personnages pour pouvoir les améliorer. Donc si t'as l'info, je suis preneur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point d'équipement là avant le boss. Donc j'ai les double épées d'épéiste chevaleresque et les double épées en bronze avec pivot offensif et fleur du péché. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec ce build, donc je vais pas changer. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Casque du dragon penché, robe rituel du sorcier. Voilà, bracelet des champions des turbans, et pour les jambes, chaussures de bandit des turbans. Voilà, si ça peut t'aider. Je trouve que pour le design de ce boss, ils sont vraiment partis en couille. C'est un mix entre un cheval, une vache, un chien et quoi? Allez, on va dire un poulpe. Alors ici, il faut maximiser en fait les esquives et les parades. Et surtout ne pas hésiter à utiliser son invocation. Regarde, il a déjà perdu la moitié de son. Avec un seul PNJ, c'était pas aussi simple. Donc n'hésite pas, oh là là, mais en fait il lui fait des coups de ouf. Donc si tu joues avec un seul PNJ, n'hésite surtout pas en fait à le raise. Là il y en a deux, donc en fait il te permet de tank et du coup toi tu vas prendre aucun dégât. Mais c'est vrai que les PNJ, enfin les renforts sont vraiment très très utiles. Hein. Waouh. Donc en fait si tu joues avec un seul PNJ, il faut vraiment pas hésiter en fait. Ah, le reste, comme ça au moins il tank, et toi tu tapes dans son dos. Même si parfois c'est compliqué, puisqu'il utilise ses tentacules en fait pour te frapper, même si t'es derrière son dos. Et après, voilà, il faut utiliser la parade, l'esquive et enchaîner. Après en solo, j'ai pas testé. Il est atomisé. Franchement, bon, c'est allé très très vite.
Ok, donc si t'arrives pas à le passer, n'hésite surtout pas à prendre un deuxième PNJ. C'est clairement plus facile. まさかこの山まで用まで溢れてしまうとは。漂う陽気が耐えておらぬ証拠じゃのう。老師様、無茶はなされないでください。お主に言われるとは。年は取りたくないもんじゃ。何か分かったようじゃの。 急いで戻るか。なるほど。黄金どもに容器があふれておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確か。 この辺りに、あった。これじゃ。木からなる丹薬は莫大な木を得てこそ真の丹薬へと昇華する。 莫大となれば、戦や災いによる多くの死がなくば、エルは死な。加えて、容器を集める器となるは、人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは、古の竜の一族に連なる者のみだという。 この真の丹薬とやらが騒動に絡んでおると見て間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは？邪法に手を出す同志なぞ5万とおる。じゃが容器をたどれば正体を突き止められるやもしれん。<笑>じゃあ 次は都じゃな。洛陽の去る高官に穏やかでない噂がつきぬ。行きましょう。くれぐれも気をつけてな。交渉を頼む。
Nous voilà de retour au village caché. En tout cas, top hein. Franchement, c'est stylé d'avoir deux PNJ, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver comment améliorer en fait le niveau des renforts, mais a priori, je pense que c'est en combattant avec eux dans les champs de bataille. N'hésite pas à me confirmer si tu as l'info en commentaire. Et la prochaine fois, on partira pour la chute de l'eunuque corrompu. On se dit à demain pour la suite de l'aventure. N'hésite pas à me dire en commentaire également si le format te plaît, si ça t'aide dans la progression de ton aventure. De toute façon, je laisse les scènes cinématiques pour ceux qui ont l'habitude de me regarder en let's play. Et on se dit à demain pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.